son pied frappé et... Bonjour à toutes et à tous. Je suis pour ma part très heureuse de vous retrouver. J'ai eu l'honneur d'ouvrir le premier congrès des jeunes auquel votre présidente actuelle a été élue.
Et donc, j'ai grand plaisir à vous retrouver. Donc, je vais vous dire un petit mot d'accueil et ensuite, je laisserai la parole à Madame la Présidente. Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers de la jeunesse calédonienne, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir de nouveau dans cet hémicycle pour une nouvelle séance du Congrès des jeunes que j'ai l'honneur de co-présider avec ma collègue Lou Pidgeot. Je remplace Monsieur le Président du Congrès, Rocco Amitan, qui est malheureusement mobilisé par d'autres obligations. Je tiens tout d'abord à souhaiter la bienvenue à ceux qui intègrent le Congrès des jeunes aujourd'hui, en remplacement des conseillers qui ont quitté leurs établissements pour suivre leurs études supérieures. Et je tiens aussi à féliciter ceux qui étaient présents l'année dernière pour le travail réalisé. Comme vous le savez, le rôle de conseiller de la jeunesse calédonienne n'est pas à prendre à la légère. La chance vous est donnée de faire entendre votre voix, celle de la jeunesse, dans toute sa vivacité, sa créativité et son enthousiasme. Vous avez l'opportunité de participer de manière active au façonnement de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Cette troisième séance de votre mandature est importante puisque, riche de vos idées et de vos recherches, elle verra se concrétiser une partie des projets que vous avez élaborés ensemble. Projet que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s'est engagé, dans la mesure de ses compétences et de ses capacités, à porter le plus loin possible. C'est par cette démarche et grâce à votre investissement que le Congrès des jeunes bénéficie désormais d'une reconnaissance des institutions qui vous sollicitent régulièrement pour participer à des événements et des réflexions au niveau local, national et international. Pour conclure, je tiens à remercier ceux sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu, nos partenaires, l'ASE, le vice-rectorat, et je salue Monsieur le vice-recteur, et en particulier la direction diocésaine de l'enseignement catholique, qui met à contribution ses services pour l'hébergement et la restauration de nos conseillers de la jeunesse calédonienne. J'aimerais également remercier les élus du Congrès de la Nouvelle-Calédonie présents pour leur participation ce matin. Je tiens également à saluer la présence de différents invités et intervenants qui vous allez voir en commission et qui vont vous aider dans vos travaux. Merci à vous d'avoir fait le déplacement et de vous investir pour la jeunesse calédonienne. Enfin, je remercie les accompagnateurs et les agents du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui se sont portés volontaires aujourd'hui pour participer à cette journée. Avant de céder la parole à votre présidente Lou, je vais d'abord donner la parole à Madame Waïcha, présidente de la Commission de l'enseignement et de la culture. Merci pour votre attention. Merci, Madame la Présidente. Na palma mena pia micho kwa mekiyangani punye tiasen. Je vous présente mon profond respect avant de prendre la parole. Je voudrais juste, comme l'a fait ma collègue Madame Jalabert, vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle qui sera peut-être le vôtre, dans lequel vous siégerez peut-être dans quelques années. Ce congrès des jeunes contribue à sa façon à l'exercice de ce droit à l'éducation. Un droit fondamental, car c'est par l'éducation que les sociétés humaines et les civilisations progressent. Et c'est grâce à elles que les nations peuvent s'enorgueillir du niveau de développement et du rang culturel, scientifique, technique et économique qu'elles atteignent. Et dans notre pays, les enjeux de la décolonisation et du développement sont énormes et placent l'éducation et la formation au centre des défis majeurs à relever. Ce qui fait du droit à l'éducation et à la formation un droit essentiel dans la construction du vivre ensemble et du destin commun des Calédoniens. Oletia Tsakhwatch. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à saluer les conseillers de la jeunesse calédonienne, le vice-recteur M. Éric Rosser et ses collaborateurs, la directrice de la DEC, Mme Karen Cazot et ses collaborateurs, la directrice de l'AC et de la FELP, Mme Isabelle Lemoyle et ses collaborateurs, les conseillers de la Nouvelle-Calédonie présents, le président et les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présents, l'administration du Congrès, le public et la presse. Chers collègues, nous entamons aujourd'hui la troisième réunion de cette seconde mandature du Congrès des jeunes. Il s'agit donc de l'avant-dernière réunion de cette mandature. Nous avons déjà travaillé sur les thèmes qui nous intéressaient, mais il nous reste encore un certain nombre de tâches à accomplir pour mener à bien nos objectifs. À ce stade, je me permets de vous rappeler l'objectif principal de ce Congrès des jeunes, donner la parole à la jeunesse calédonienne et lui permettre d'œuvrer afin d'améliorer la condition des jeunes de tout âge en Nouvelle-Calédonie. Donner la parole aux jeunes.
Je souhaite que vous puissiez prendre conscience de l'importance de ces mots dans une société où bien souvent, nous, la génération à venir, nous ne nous sentons pas assez compris et pas assez entendus par les adultes. Nous, jeunes de Nouvelle-Calédonie, avons l'occasion de nous exprimer et au plus haut lieu. Ce congrès, cette première institution de Nouvelle-Calédonie, nous tend la main et nous donne la possibilité d'agir pour de bon, pour aider la jeunesse à construire notre avenir. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons saisir cette chance qui nous est donnée. Prenez la parole au sein de vos commissions et participez pleinement aux travaux de commission qui vous sont soumises. Prenez la parole au sein de cet hémicycle et ensemble, œuvrons pour construire notre futur, notre Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, commençons. Madame Virahi, pouvez-vous vérifier si les conditions de quorum sont remplies, s'il vous plaît ? Merci, Madame la Présidente. Bouteiller Neiza. Présent. Clément Newton. Drumini Brenda. Fisdiepas Kilian. Godfrey Clark. Goromoedo Orlan. Aloach Donatien. Aokas Adjie. Naya Maria. Husson Lilou. Kananou Yoran. Kaku Ivan. Kawa Dané. Katoa Manassé. Kolotolou Gabriel. L'Allier Marcel. Lavorel Nora. Laoui Enzo. Liat Lamal Lauriane. Logona Romaric. Magélé Sylvie est absente. Maou Odile. Ménéum Cédéla, absente. Méro Emmanuel. Lou Mété. Mésida Mariette. Moenir Loris. Neko Chocho Bej. Neporo Ibrahim. Ngayoni Joshua. Unemoa Sheima. Poto Valencia est absente. Pidra Axel. Absente. Poinoupé Laina. Poaba Bernadette. Pidjo Lou. Renénod Wilson. Désolée pour les prononciations approximatives. Rokuad Camille. Rousseau Inès. Chouen Rebecca. Taviri Raili. Tembouéon Lunmila. Twifoa Sonia. Vergès Frédéric. Wakal Suzanne. Wajino Donatien. Wahena William. Waheo Jacques. Waitre Josué. Et Wujo Liam. Les conditions de quorum sont remplies, Madame la Présidente. Merci, Madame Virahi. Chers collègues, avant toute chose, je tenais à accueillir comme il se doit les nouveaux conseillers qui viennent d'intégrer notre instance en remplacement de nos collègues qui ont quitté leur lycée pour poursuivre leurs études supérieures. Merci à vous pour votre présence et bienvenue au Congrès des jeunes. J'espère que vous prendrez rapidement vos marques et qu'ensemble nous mènerons à bien les travaux dont vos précédents ont posé leurs bases. Chers collègues, je vais maintenant vous exposer le déroulé de notre journée de travail qui s'annonce chargée, alors commençons sans plus attendre. Tout d'abord, nous allons faire l'élection du vice-président du Congrès des jeunes. Ensuite, nous allons faire la validation des commissions par les conseillers de la jeunesse.
Ensuite, nous allons faire l'explication par la présidente de la Convention de partenariat avec l'Assemblée territoriale des jeunes de Wallis-et-Futuna et une explication par la présidente de sa participation au train des mémoires à l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Ensuite, nous allons faire une explication par la présidente des suites données à certains travaux de commission. Nous allons faire ensuite un rappel par la présidente du Congrès des jeunes des travaux qu'il reste à réaliser pour chaque commission et une annonce des intervenants qui seront présents pour assister les commissions dans leurs travaux. Ensuite, nous allons présenter les commissions qui sont ensuite appelées à se réunir. Vous allez poursuivre les travaux sur les thèmes sélectionnés pour chaque commission. Ensuite, vous allez échanger avec les intervenants reçus pour certaines commissions. Ensuite, à midi, nous avons une séance photo avec les conseillers de la Nouvelle-Calédonie présents et les intervenants. Vous allez ensuite déjeuner dans l'espace dialogue. À 1h30, vous allez faire la restitution des travaux de commission. Nous allons ensuite faire la lecture des rapports de commission et l'annonce des travaux réalisés, puis validation par l'ensemble des conseillers de la jeunesse. À 15h30, départ attend dans l'hémicycle de l'appel des conseillers par navette. Ensuite, nous allons faire l'examen de l'ordre du jour. C'est direct. Nous prenons le premier point de l'ordre du jour, à savoir l'élection du ou de la vice-présidente. Donc, chers collègues, avant de commencer cette élection, je me dois de vous rappeler les devoirs du vice-président du Congrès des jeunes. Le ou la vice-présidente est chargée d'assurer la suppléance de la présidente en cas d'absence ou d'empêchement de la part de cette dernière. Les services du Congrès tiennent donc à rappeler que tout comme la présidente du Congrès des jeunes, le ou la vice-présidente du Congrès des jeunes est souvent amenée à s'exprimer au sein du Congrès des jeunes, mais également lors de la représentation extérieure. De ce fait, si vous ne souhaitez pas vous mettre en avant plus que de mesures, il est préférable de ne pas vous présenter pour ce poste. Si vous êtes d'accord, nous allons maintenant procéder au vote. Est-ce qu'il y a des candidats pour ce poste? Veuillez lever la main, s'il vous plaît. Donc, nous avons 4 candidats potentiels. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Marcel Lallier. Merci. Ensuite. Bonjour, moi je m'appelle Sonia Tuifoy. Bonjour, moi c'est Donatien Ogeno. Bonjour, moi c'est Loumété. Donc nous avons 4 candidats. Nous allons maintenant procéder au vote. Pour la candidature numéro 1, qui est pour Marcel Lallier? Levez bien votre main. Merci. Juste pour vous préciser, une fois que vous avez voté pour M. Lallier, vous ne pouvez pas voter pour les autres candidats. Merci. Je vous remercie. Donc, pour la candidature numéro 2, nous avons Sonia Tuifoy, qui est pour. Je vous remercie. Pour la candidature numéro 3, nous avons Wadjeno Donatien, qui est pour. Je vous remercie. Et pour la dernière candidature, nous avons Loumété, qui est pour. Ok, je vous remercie. Donc, qui s'est abstenu lors de tous ces votes? Ceux qui n'ont pas voté, merci de lever la main.
Pour mémoire, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité entre des voix, le plus âgé des candidats est élu. Monsieur le secrétaire général adjoint, pouvez-vous nous annoncer le résultat des votes, s'il vous plaît ? Madame la présidente, merci. Donc pour monsieur Marcel Lallier, il a obtenu 23 voix pour. La deuxième candidature a obtenu 14 voix pour et il y a eu 12 abstentions. Donc, monsieur Lallier est donc élu vice-président. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Monsieur Lallier est donc élu vice-président du Congrès des jeunes. Si vous voulez bien me rejoindre au perchoir, s'il vous plaît. Donc bravo, monsieur le vice-président. Chers collègues, nous allons maintenant poursuivre nos travaux, à savoir la validation de la nouvelle composition des commissions. Comme vous le savez, une partie des conseillers de la jeunesse qui formaient cette mandature 2020-2021 ont quitté les établissements qu'ils représentaient pour poursuivre leurs études supérieures. Les lycées ont donc dû procéder au remplacement de ces conseillers. Comme cela nous a été expliqué hier, afin de conserver la même dynamique de répartition et dans un souci pratique, chaque nouveau représentant a été inscrit dans la commission qu'occupait son prédécesseur. Ces postes vous ont donc été indiqués hier lors de notre réunion de préparation. Pour mémoire, Madame Viraille va vous rappeler la liste de chaque commission ainsi que leur composition. Merci Madame la Présidente. Donc, pour la commission de l'éducation, Kananou Yoran, qui est le vice-président, Rousseau Inès, qui est le rapporteur. Dans les membres de la commission, nous avons Clark Godfrin, Orlan Goromoedo, Gabriel Kolotolou, Poinoupé Laina, Joshua Ngayoni, Frédéric Vergès et Lou Mété. Pour la commission de la lutte contre les violences, il faudra réélire le président et le vice-président, le rapporteur et mademoiselle Emmanuelle Méraud. Parmi les membres, nous avons Suzanne Wakal, Odile Mahou, Bej Nekochocho, Donatien Alouach, Newton Clemen, Pidjo Lou et Seleeva et Magélé Sylvie qui sont absentes. Pour la commission de l'environnement, le président est Donatien Wajeno. Il faudra réélire le vice-président et le rapporteur. Et parmi les membres de la commission, nous avons Meneum Sedela, Woodjo Liam, Mezida Mariette, Drumini Brenda, Katoa Manassé, Taaviri Raili et Vergès C'est Ngayoni. Tu es dans quelle commission, Frédéric ? C'est dans la commission de l'environnement ? Oui, c'est ça. Donc, Vergès Frédéric. Dans la commission de la santé, nous avons en présidente Lilou Husson. Il faut réélire le vice-président. En rapporteur, nous avons Rokuad Camille. Et dans les membres de la commission, nous avons Naya Maria, Kaku Ivan, Aukas Adjie, Kenenol Wilson, Fizdiepas Kilian, Chouen Rebecca et Valao Malia Sonia qui est absente. Pour la commission des loisirs, le président est Marcel Lallier. Le vice-président et le rapporteur sont à réélire. Et dans les membres de la commission, nous avons Moenir Loris, Liatlatmal Lorian, Pidra Axel, Poto Valencia, qui sont absentes toutes les deux, Lavorel Nora, Laoui Enzo, Neporo Ibrahim et Kawa Dané. Et enfin, pour la commission à venir, la présidente est Twifua Sonia, la vice-présidente est Tembueon Lunmila, le rapporteur Unemoa Sheima et les membres de la commission sont Logona Romaric, Bouteillé Neiza, Waitre Josué, Wahena William, Poaba Bernadette et Waheo Jacques. Merci Madame Viraille. Nous actons donc la composition de ces commissions telles que vous venez de nous les lire. Chers collègues,
Ces changements au sein de ces commissions ont également généré des changements dans les bureaux de chaque commission. Il faudra donc pour certaines commissions procéder au renouvellement partiel de leurs bureaux. Je vous rappelle les commissions concernées par ces changements. La commission de la lutte contre les violences, une réélection du président et du vice-président. La commission de l'environnement, une réélection du vice-président et du rapporteur. La commission de la santé et de l'action sociale, une réélection du vice-président. La commission des loisirs, une réélection du vice-président et du rapporteur. La commission de l'éducation, une réélection du président. Et seule la commission à venir n'aura aucune réélection à faire. Tout est clair pour vous, chers collègues ? Avez-vous des questions à ce stade ? Non ? Donc, je me permets de vous rappeler que les rapporteurs des commissions seront amenés à lire la totalité des rapports de commission lors de la restitution des travaux cet après-midi. Ainsi, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour prendre la parole devant tout le monde ou pour vous mettre trop en avant, il vaudrait mieux ne pas vous porter volontaire pour ce poste. Très bien, nous allons poursuivre avec notre troisième point à l'ordre du jour qui est en quelque sorte les petites actualités du Congrès des jeunes. Chers collègues, tout d'abord, une grande nouvelle pour notre instance. En effet, suite à des échanges entre le Congrès et l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, je vous annonce qu'une convention de partenariat va être passée entre les deux institutions. Cela signifie que le Congrès des jeunes sera désormais partenaire à l'Assemblée territoriale des jeunes de Wallis et Futuna. La convention qui est en cours de signature prévoit que le Congrès de Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna s'engagent à soutenir les jeunes du Congrès des jeunes et de l'Assemblée territoriale des jeunes de Wallis et Futuna. Dans leurs différentes démarches, leurs projets, leurs travaux de recherche et dans certains échanges qui pourraient y avoir entre les deux jeunes institutions. Comme je vous l'ai dit, la convention est en cours de signature et l'administration du Congrès nous fournira plus de détails quand elle sera signée et adoptée. Je pense que nous pouvons déjà nous réjouir parce que cette convention nous offre une véritable ouverture au Congrès des jeunes et le fait de pouvoir partager avec nos homologues de Wallis et Futuna représente une véritable opportunité pour nous. Nous allons pouvoir œuvrer pour la jeunesse calédonienne et un peu plus. Pour la seconde petite actualité du Congrès des jeunes, je voulais vous informer également que le Congrès a décidé de m'inscrire dans un programme de visioconférence avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ou dit l'APF. En fait, c'est un programme pour les jeunes choisis par les différentes sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et il s'agit du programme Le Train des Mémoires. On travaille en fait sur le devoir de mémoire, donc la section APF du Congrès a donc proposé ma candidature qui a été retenue. Et depuis la fin du mois de mai, je participe à des visioconférences durant lesquelles nous abordons les différentes formes du devoir de mémoire, les conséquences et les implications du devoir de mémoire. J'échange par visioconférence avec des jeunes qui se trouvent en France, en Belgique, au Canada ou qui sont d'origine d'Afrique, du Cambodge, de la Réunion et autres. C'est super intéressant et c'est une véritable opportunité pour faire non seulement découvrir l'histoire de notre pays, mais également faire connaître le Congrès des jeunes à ces messagers de la mémoire comme ils nous appellent. Si vous souhaitez que je vous en parle plus longuement, je vous ferai un petit résumé de tout ça en fin de séance. Est-ce qu'il y a des interventions ou quelqu'un souhaite prendre la parole ? Si vous le voulez bien, nous allons maintenant prendre le quatrième point à l'ordre du jour, à savoir le détail des suites données aux travaux de certaines commissions après la séance du 12 septembre 2020. Lors de la séance du 12 septembre 2020, chaque commission a commencé à travailler sur l'un des deux thèmes qu'elle avait choisi pour cette mandature 2020-2021. À ce stade de nos échanges, je tenais à vous apporter des précisions quant à la suite donnée aux travaux de la commission environnement et ceux de la commission avenir. Pour la commission environnement, votre vœu relatif à la promotion des filières de formation agricole et maritime a été envoyé aux instances compétentes en la matière, à savoir le gouvernement, la province sud, la province nord et la province des îles Loyauté. Il a également été transmis à l'ensemble des conseillers de la Nouvelle-Calédonie. À ce jour, nous avons reçu un retour de la part de Madame Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Nous avons également eu un retour de la province nord, et ces réponses ont été déposées sur vos pupitres en début de séance. J'invite la commission environnement à en prendre connaissance et si elle le souhaite, elle pourra nous en faire un retour ensuite. En ce qui concerne la commission à venir, je vous rappelle que cette
commission avait établi un questionnaire relatif à l'avenir institutionnel et économique de la Nouvelle-Calédonie. Ce questionnaire était adressé aux présidents de groupes et formations politiques au sein du Congrès, au comité des sages, ainsi qu'au président de l'Université de Nouvelle-Calédonie qui devait se charger de le soumettre à un professeur spécialiste de la question. Le questionnaire n'a pas pu être diffusé à l'ensemble des destinataires pour diverses raisons. Vous pourrez en discuter avec les rédactrices lors de votre réunion de commission. Tout est OK pour tout le monde ? Y a-t-il des interventions sur ce que j'ai dit ? Très bien. Nous allons donc poursuivre avec le prochain et dernier point à l'ordre du jour pour cette première partie de séance, le rappel des travaux engagés pour chaque commission, les travaux qu'il vous reste à mettre en place et la liste des intervenants pour la commission concernée. Afin de... Est-ce que vous souhaitez qu'on rappelle les thèmes sur lesquels les commissions avaient travaillé l'année dernière ou toutes les commissions ont réussi à faire un rappel hier soir ? Vous voulez quand même qu'on passe un rappel ? Non, c'est bon, tout est clair pour tout le monde ? Très bien. Donc, afin de pouvoir poursuivre les travaux que nous avons commencés l'an dernier, je vais vous rappeler ce que chaque commission... Excusez-moi. Comme vous le savez, les travaux qui nous attendent sont importants et la masse de travail assez conséquente. Je tiens à vous préciser ici que nous avons tous bien conscience que la totalité des travaux ne pourra pas être achevée ici et je pense que notamment aux vidéos à faire ou autres. Il conviendra donc de vous entretenir au sein de la commission et de vous organiser pour avancer au maximum les travaux et ensuite peut-être vous retrouver par la suite en dehors du congrès pour achever certains points. Il faudra le préciser dans vos comptes rendus et Madame Viraille, ici présente, se chargera ensuite de superviser et d'organiser ces éventuelles suites à donner. Avez-vous des questions ou des interventions ? Non ? D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons poursuivre. Les commissions sont invitées à se réunir afin de débuter leurs travaux sur les thématiques arrêtées. Comme pour chaque réunion, les commissions ont été réparties dans différentes salles du Congrès et je vous demanderai de bien vouloir suivre le rédacteur qui sera en charge de votre commission. Afin que vous puissiez les reconnaître, je vais les désigner dès maintenant. Donc, mesdames et messieurs les rédacteurs, je vous demanderai de bien vouloir vous lever à l'appel de votre nom. Pour la commission des loisirs, vous serez au sein de l'hémicycle avec Sophie. Qui n'est pas là ? Qui est là, mais qui n'est pas là. Elle était là hier avec les lunettes sur la tête pour ceux qui étaient là. Ah oui. Pour la commission contre les violences, vous serez dans la grande salle des commissions avec Francis, qui est au fond. Pour la commission éducation, vous serez dans la salle de réunion de la présidence avec Erika. Pour la commission de la santé et des actions sociales, vous serez dans l'hémicycle avec Maureen. Qui est là, mais qui n'est pas là. Et qui est occupée. Donc, la commission à venir, pour vous, ce sera dans l'espace presse de l'hémicycle avec Margot. Et enfin, la commission environnement, pour vous, ce sera la petite salle de commission avec Émilie, qui est derrière. Avant de commencer nos travaux de commission, je vous propose de faire une pause de 15 minutes. Donc la séance est maintenant suspendue, les travaux reprendront à 1h15 au sein de l'hémicycle. Avant de quitter la salle, je vais juste vous demander de bien respecter la pause de 15 minutes et de revenir dans 15 minutes. Je vous remercie.